vais regarder rien, ça va être bon. Allez bien, bonjour à toutes et à tous. Allez, on va attaquer la première partie de ce championnat de France avec je suis en compagnie de Jean Locatelli, qui est arbitre national. Donc on va suivre la partie des champions de France triplette en titre. Donc Prud'homme, Kevin et Georges Feltin de la Haute-Saône, opposé à l'équipe Questa, Sébastien et Dex, Richard, du comité 60 de l'Oise. Alors là, on prend la partie en cours, hein, c'est la première manche. Alors Jean, comment va? Très bien. Pour ce 50e championnat de France de Doublette, ça commence bien. Du beau temps, des champions de France, de notre région, Bourgogne-Franche-Comté, qui représente la Haute-Saône, en espérant qu'ils vont faire un bon parcours. Ils sont forts. Nous allons voir ce que ça donne contre les deux jaunes de l'Oise. Alors là, du coup, nous sommes parce que là, un petit peu, il y a deux carrés d'honneur. Hein. Il y a un premier carré d'honneur avec terrain de 1 à 8 et un autre petit carré d'honneur où nous sommes avec 6 terrains. Donc il y a Christophe Sevilla qui joue sur le terrain d'atelier. Ça bouge plus là. Qui est attendu au terrain 51 du doublette masculin pour un problème de ficelle. Donc merci d'amener ficelle et marteau au terrain 51, s'il vous plaît, l'équipe technique pour réparation d'une ficelle. Bon, du coup, Jean, nous on a pris la partie en cours. Donc du coup on n'a pas trop suivi la première main. Bon, je crois qu'il reste... Pour l'instant l'avantage reste à l'équipe de la Haute-Saône des champions de France en titre triplette. Ouais, parce qu'il me semble qu'il reste encore 4 boules en main. Et la dernière boule va être jouée par l'équipe de l'Oise. Il y a une petite remontrance hein, de l'arbitre. Le joueur, il me semble qu'il n'avait pas les pieds dans le rond. C'est ça. Quelqu'un, Georges, va donc aller pointer, j'ai un grand avantage, 4 boules en main. 3 boules en main. Donc ils ont le point par terre, hein, il me semble.
l'équipe des champions de France a un point par terre et 4 boules en main. Ils en ont 4 ? Boule manquée par Feltin Georges qui était vraiment trop long, 1m50 devant le bouchon. C'est au tour de Kevin Prudhomme qui va jouer ses deux dernières boules. Bon, après le matin sur les premières mains, c'est toujours compliqué. Hein. Très compliqué. Très compliqué. Et en plus, il commence à 8h du matin. C'est très tôt. Très 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 tôt pour jouer le matin. Les bras sont encore pas chauds. C'est ça. C'est pour tout le monde pareil. Ouais, c'est pour tout le monde pareil. Et puis là, je suis là depuis un petit moment. Tous les joueurs étaient présents une bonne demi-heure à l'avance, mais l'équipe de la haute zone, ils sont venus près de 10 minutes. Hein. L'équipe des champions de France est arrivée, oui, ouais. On va dire un petit peu à la bourre. Mais bon, finalement. Bon rajout de Kevin Prudhomme, ce qui va faire, je pense, 2 points pour l'équipe de la haute zone, champion de France, à titre triplette. 2. Bah 2 points du coup. Deux points. Parce qu'il n'a pas rentré sur la première ligne. Pas du tout. Sur la deuxième. Pour rajouter un petit peu en étant dans ce carré, je vois qu'il y a une équipe de la ronde pétanque de Metz qui a été championne de France des clubs. Jordan Sala qui est à côté, un peu plus loin nous avons Christophe Sevilla. Et de même, nous avons une équipe de Mulhouse, du Haut-Rhin du Grand Est, avec Bruno Lhomme, de la Bourgogne-Franche-Comté. Belle à point de Georges Feltin, une boule à 20 cm de bouchon. Alors là, est-ce que c'est... Parce que moi, c'est juste mon avis, mais je pensais que c'était des terrains quand même qui allaient, surtout en doublette, qui allaient plus jouer le jeu d'attaque. Finalement, là, au bout d'une main ou deux mains, là, je vois sur les jeux à côté, ça pointe quand même. Ça pointe beaucoup. Ça pointe beaucoup. Nous sommes le matin et nous en sommes toujours là. Je pense que ça tirera plus dans trois quarts d'heure, une heure, et beaucoup plus cet après-midi. Les bras se chauffent. C'est vrai. Alors, n'hésitez pas à partager les vidéos et les interviews. Il y aura un tirage au sort pour ceux qui pourront partager toutes les vidéos et les interviews. Uniquement, hein, je rappelle, abonnez-vous à la page Facebook Pétanque Movie. Belle reprise de l'équipe de l'Oise. Et belle frappe de Kevin Prudhomme. C'est juste un mètre court, hein, il l'a pas beaucoup. Boule ensablée, il n'a pas accompagné. Il a resté dans un bac à sable, comme on dirait. Alors, Jean, on va parler un petit peu du site de Santa Apollinaire, qui est organisé par le comité de Côte d'Or et reçu par le club de Santa Apollinaire à Dijon. Un site, un superbe site avec des infrastructures. Superbe site. Superbe site, ayant participé à pas mal de chevaux de France, il fait partie sans doute des plus jolis sites que nous avons eu depuis pas mal d'années. Et j'ai parlé à. Alors j'ai fait une interview d'Apolline Carien hier, j'ai parlé également à deux, trois joueuses. Et également des joueurs aussi. Alors on a parlé des terrains. Effectivement,
Les hommes, il n'y a pas de souci. Ils trouvent les terrains superbes. En revanche, pour les filles qui jouent le championnat de France féminin sur instabilisé, là, en revanche, mais aussi également hier, il est vraiment très sec. C'est vrai. Et je suis passé sur les jeux. Terrain non sélectif, il sera plus difficile de sortir les poules et après la sélection se fera plus facilement sur les terrains hommes. Sortir des poules, pas facile pour les féminines, terrain qui... De nouveau un tir de Kevin Prudhomme qui frappe sa deuxième boule. On rappeline Garien hier, hein, qui était championne de France triplette 2018 et les championnes de France avec doublé féminin avec Chantal Solaris, m'a dit hier. Dans tous les cas, voilà, c'est, les terrains sont pour, bah, c'est pour tout le monde pareil. Et puis, pour sortir des buts. Voilà. Connaissant Apolline Garien, qui est une joueuse de qualité très technique, ce n'est pas un avantage pour elle de jouer sur ces terrains. Si elle en sort, nous aurons toutes les chances de voir par la suite ses capacités. Voilà, c'est ce qu'elle me disait hier soir. Elle dit, voilà. Maintenant, c'est le terrain est pour tout le monde pareil. Pour tout le monde pareil. Nous devons nous adapter à tous les terrains quand on joue le boule de haut niveau, ce qui est le cas d'Apolline. Nouveau tir de Kevin Prudhomme qui vient de faire de nouveau un carreau allongé. Trois frappes sur trois pour Kevin. Reprise de l'équipe de l'Oise. Deux boules de marque dans les mains de Georges Feltin. Ah, du coup, il a décidé de aller au tir. C'est pas droit. C'est la première. Ouais, très dur le matin, premier tir bourré par le pointeur champion de France. Très difficile le matin, ce sont les premières boules. Voilà. Après un deuxième tir de Georges Feltin, celui-ci frappe à nouveau la boule. De nouveau, l'équipe championne de France anti triplette marque un point. Donc ce qui fait un score de 4-0 pour l'équipe championne de France anti-triple, je le répète. L'équipe de la Haute-Saône a décidé de janter le bouchon loin. Ils sont environ à 9 pas, ce qui ne sera pas facile pour les tireurs. Bien. Il est la pointe de Georges Feltin qui se trouve à l'eau à 20 cm de bouchon. L'équipe de l'Oise hésite à tirer ou à pointer. Très bel appoint de l'équipe de l'Oise qui fait une reprise à 10 sur le bouchon. De nouveau Kevin Prudhomme part à la frappe. Bravo.
Ouais. Encore un carreau de Kevin, ben, il est en pleine forme. Hein, très bon démarrage. Par contre, il a bien. Sur cette, troisième main, 5 gouttes tirées, il a fait 2 carreaux. Très beau départ de Kevin Prudhomme, qui n'est pas champion de France. Non, pour rien. Exactement. De toute façon, je pense, Jean, qui. Les nationaux, les championnats de France, puis plusieurs années, on n'est pas champion de France par hasard. Ça n'arrive pas. L'hasard n'existe pas quand on est champion de France. Nous ne sommes pas en compétition départementale. Toutes les stars étant là, par quelques exceptions, comme Philippe Quintet ou Philippe Suchot, je ne sais pas, pour ne citer que, le très connu champion du monde en titre, champion du monde. De nouveau un carreau de Kevin Prudhomme, vraiment qui démarre très très fort. Ah oui, alors là il envoie du lourd hein, puisque il fait des carreaux et là en plus là, son carreau là il est vraiment en face du bouchon. En plein jeu. L'équipe de l'Oas. Sébastien et Dexter Richard, il va falloir reprendre deux points. Je pense. Parce que l'équipe Prudhomme a encore trois boules. Ça devient difficile pour l'équipe de l'Oas. La reprise est importante. Alors dans ce cas de figure, on prend deux carreaux à la filet, on se dit on pointe, si on perd la boule on prend cher. Exactement. Ou on tire la première ou on tire les deux. Voilà. Et si on manque, on risque encore de prendre cher. Alors je pense, oui, c'est ça, mais je pense que le vrai jeu c'est de pointer, mais il faut le gagner. Exactement. Alors après, hein, c'est des joueurs qui sont capables d'aller le gagner trois fois. Hein, c'est... Je ne me souviens pas que ce sont des joueurs qui sont champions, donc ils savent jouer au boulot. On va essayer de pointer, mais comme il est gaucher, ça va être, je pense, un peu compliqué. Mais c'est bien joué. Plus bravo. Difficile pour un gaucher, très bonne ouais. Reprise de celui-ci. Magnifique main de Kevin Prudhomme qui termine par un carreau, magnifique main. Alors, trois carreaux dans la même main, c'est rare qu'on le voit. Hein. C'est vrai. C'est... Surtout très tôt le matin. Celui-ci commence très très tôt. Son bras est déjà chaud. Alors, il nous offre déjà un vrai spectacle. Hein. Exactement. Comme on le répétera, on n'est pas champion de France pour rien. Alors là, il faut plus que bien pointer, hein, je pense. Très, très parce qu'il n'y a qu'un devant de boule hein, qui va les sauver. Hein. Exactement, il n'y a que ça qui peut les sauver. Voilà ce qu'on attendait de la boule devant. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Parce que peut-être que c'était le jeu de tirer la première, parce qu'il y a le bouchon. Il y avait le bouchon, c'est ça. On peut contrer sur les deux autres. On peut prendre le bouchon pour annuler. Voilà, parce que maintenant, il y a deux boules à deux, il y a quatre points par terre, Jean. C'est ça. 4 points par terre, on rappelle, avec 3 carreaux de Kevin. C'est juste incroyable, là, ce qu'on vient de voir sur cette main. Très très beau début de partie, au niveau. Alors je pense qu'il faut jouer... Genre porter un mètre devant et puis pas être court et puis d'aller se mélanger au bout. Essayer de se remélanger, exactement. Il n'y a que ça qui peut sauver là, une grosse main. On rappelle qu'il y a 4 points par terre hein, pour l'équipe Prudhomme et 2 boules à 2. Hein. 2 boules à 2, donc c'est une main à 4-0.
qui pourrait coûter très cher. Voilà. On a décidé de casser des points. Voilà, bonne frappe de l'équipe de l'OS qui détruit. Et qui pouvait annuler en tirant en face du bouchon. C'est ça. Bonne initiative à la fin. L'avantage est encore à l'équipe. Alors c'est où on décide de tirer dans les deux pour casser encore du point ou en pointe, mais voilà. Choix au cornélien, mais choix qu'il faut prendre. Et puis se rentrer en face des boules, mais bon, il y a beaucoup de joueurs qui auraient tiré dans les deux points. Exactement, pour casser du point. Voilà, l'équipe de l'OS cherche à se mélanger pour couper du gros coup. On est gêné un petit peu par le tout terrain, mais voilà, il y en a, il tire à 3. Voilà, c'est ça, il tire à 3, il a coupé sur les deux. Oh là là, mais c'est une main de dingue, voilà. Exactement, 4 boules pile, 4 frappes dans la main. C'est juste incroyable. 4 points par terre, une boule en main, il mène 4-0. Là, on vient de vivre une main de dingue. De fou. Très haut niveau sur cette main de l'équipe championne de France. N'oublions quand même pas que cette équipe de Haute-Saône représente quand même la Bourgogne-Franche-Comté. Après cette très belle frappe de Georges Feltin, la Haute-Saône marque une main de 5, ce qui amène le score à 9-0 pour l'équipe de Haute-Saône. Très 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 belle main comme nous discutions avec Patrick. Ah, c'est fantastique. On a vécu là une main de dingue. Très haut niveau. Beau début de main de Georges qui se retrouve encore à 15 du bouchon. Boule tirée par l'équipe de l'Oise et boule frappée. Reprise de Georges Feltin après une frappe de l'Oise. L'équipe de l'Oise avait le plus de partir à l'attaque. Non. Ceux-ci hésitent. Je pense qu'ils vont pointer. Partir à l'attaque, c'est bien, mais faut-il encore frapper? Maintenant, l'Oise a pris la décision de partir à l'attaque, donc les voici partis au tir. Ben dans tous les cas, maintenant, il faut faire quelque chose, hein, parce que... Quand nous avons du retard, nous décidons de partir à l'attaque pour essayer de faire une grosse main. Nous verrons ce que ça donnera. Thank you.
Troisième boule partée par Georges Fétain qui de nouveau est à 10 cm du bouchon. Alors, on va prendre le déroulement de la compétition masculine. Donc on jouera ce matin jusqu'à 12h30 avec impérativement. De nouveau une frappe de l'équipe de l'Ouest qui doit se retrouver avec deux points sur le canon. Une des premières boules pointées par Kevin Prudhomme après son magnifique main précédent. Le voici donc au point. C'est bien la première boule qui va pointer. Voilà, il est juste exceptionnel. Hein, c'est la partie, notre ami Kevin est un grand joueur de boules. On le savait et il le confirme. Le parti de boules avant d'aller vous restaurer. Et là également, je pense, Patrick, que tu as choisi une belle partie. Oui. On n'est pas déçu sur tout ce chemin. Voilà. Je vous demande donc à tous les délégués de venir aux différentes tables de marque dès la fin de chaque partie. Donc la table de marque du doublette masculin qui se trouve au carpodium de la Fédération du Carré d'honneur et la table de marque féminine. Ah, c'est manqué. Ce matin, donc, sur l'heure de jeu consacrée. La vidéo est encore bien venant de manquer. Il reste encore 3 boules en main dans l'équipe Prudhomme. 2 boules en main. Attention, danger. Ah, c'est une nouvelle fois manqué, Jean. Ça se complique de plus en plus. Il y a... Très compliqué pour l'équipe de l'Oise. Dans tous les cas, et je pense que dans tous les cas, il va retirer hein, ou va tirer au but. Hein. Non, je pense pas, Patrick. Il doit avoir qu'un point partage. Quoi. Il doit pas en avoir deux. Donc, sinon, je pense qu'il va retirer. Il pourrait tirer, il casserait un point, il pourrait envoyer le bouchon. Je pense qu'ils vont décider de pointer, de coller à la boule. Il ne reste plus qu'une. Hein. Plus qu'une boule, Patrick. Boule bien pointée par l'équipe de l'Oise. C'est de pas nouveau, repris. Kevin, hein. Prudhomme va tirer. Alors, si elle viendrait à cadrer celle-ci. De nouveau, belle frappe de Kevin, qui est vraiment en forme. C'est le début de matinée. Il entre sa classe. Et là, pour l'instant. Aucun déchet du côté de Kevin, et là, ben, ça fait deux. Hein. Deux, donc, c'est ça. Alors peut-être trois. Ben, je ne sais pas s'il est. Deux points. Ce qui fait le score de 11-0 pour l'équipe de la Haute-Saône. Un deux. Oh, là-bas. Patrick, vraiment un beau début de cette équipe de Haute-Saône. Ah ben là, il faut un 100%, enfin, puis Kevin, il fait un 100%. 100% tir sur Kevin Prudhomme. Je rappelle quand même qu'on a vécu une main de dingue. Hein. Trois piles de Kevin. Et un pile de son pointeur. Et un pile à trois pour le pointeur. Par Georges Fétain. Ouais. Très bon niveau. Nouveau Georges Patrick qui en plus tombe bien. Voilà, bon, après on peut regarder sur les terrains d'à côté là. Donc,
c'est pas un terrain très compliqué, je pense. C'est vrai. À pratiquer. Hein, pour des joueurs de ce niveau, c'est pas très dur. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai bien tiré. Hein, donc, de toute façon, que je pense qu'il se lâche et puis qu'il tape un petit peu. Il n'y a que ça. Il faut absolument que l'oiseau se lâche, sinon on a pas. Voilà, qu'il aille un petit peu au tir. Et puis voilà, maintenant il y a 0-11, on est à peine 30 minutes de jeu. Exact. En tous les cas, voilà. C'est très rapide pour un début de compétition. Ils n'ont pas très bien commencé. Et du coup, là au-dessus, a très bien commencé. Ah, c'est pas qu'ils en ont profité, c'est que. Voilà, eux ont très bien joué. C'est pas elle n'a pas très bien répondu sur le deuxième rebond, hein, celle-ci. Mais bon, ça va donner un petit peu d'air, hein, à l'équipe de Gauze. Un peu d'air, mais je ferais pas mal. Dans l'équipe de l'Oise, changement de formation, le pointeur est devenu tireur. Ah, et sur deux échecs au tir, on s'est dit à 0-11, dans tous les cas, il n'y a plus rien à perdre. Hein, il risque rien, il faut changer. Tenter l'impossible. Alors voilà, l'objectif c'est de faire tirer, mais Kevin tape tôt et puis voilà. Il fait plus de carreaux qu'il fait beaucoup de carreaux. Alors, de nouveau, Kevin fait un carreau très difficile, vraiment très très difficile pour l'équipe de l'Ouest de contrer cette équipe de l'Ouest. Bon, enfin, c'est fantastique, hein, parce qu'on a quand même vécu une main de 3 piles de Kevin. C'est un. Et là, on était sur un jeu à 9 mètres. Voilà, c'est après, ça. Là, quand même, hein, et la première du matin. Très difficile. Toi qui connais bien. Un peu. Tous ces terrains, c'est fantastique. Alors, Kevin, il ne se pose pas de questions, d'ailleurs, il va dans le rond. Mais je pense qu'il les voit, belles. Hein. Voilà, il les voit très grosses, on appelle. Ouais. Ouh là. C'est incroyable le jeu au tir, hein, qui nous sort. Kevin continue dans sa folie, un jeu de très haut niveau. Bon, il va aller le voir, hein, quand même, tout à l'heure. Hein, je vais lui demander ce qu'il a fait, petit déjeuner. Voilà. Exactement. S'il a une recette, il nous la donne. Hein. Ça serait bien. Moi qui commence à lire, ça me ferait du bien, une recette comme ça. De l'équipe de l'Ouest, ils ont décidé, on va pointer, on va les laisser tirer, puis on va attendre. Position d'attente. Bon, dans tous les cas, il y a garde chaud. Hein. Ils mènent 0. Notre ami Kevin ne manque pas de boule, donc ils attendent. Et on va voir. Alors, l'arbitre Jean de ce carré d'honneur là, tu connais? C'est Monsieur Fred Delaunay, oui, qui fait partie de bientôt du pool élite. Il a eu son examen, il attend les résultats. Mais je pense qu'il est positif dans les résultats. Alors, encore de nouveau. Un carreau de Kevin. Alors, on les compte plus, hein, parce que de toute façon, il fait que ça. Voilà, on veut plus. Alors, on va demander au coach tout à l'heure, mais de toute façon, il fait que ça. Alors. Donc on va faire une petite interview tout à l'heure avec Kevin et on est accompagné Jean aussi d'Adrien Didier, hein, qui va nous prendre toutes nos petites infos sur le carré d'honneur. Adrien Didier qui fait partie de l'organisation de ce championnat de France. C'est bien d'avoir des jeunes, c'est la relève. Et il n'y en a qu'un, faut le dire. Ah, c'est vrai, il n'y a que lui. Il est unique. Alors là, l'équipe de l'Ouest vient perdre le point, Jean. Hein. Très, ça devient très difficile. Donc là, ça sent le roussi. Hein. Exactement.
Ils ne diront pas qu'il y a le feu, mais pas loin. Là, c'est gagné. Alors là, c'est carreau gagné. Alors, c'est cadré gagné. Hein, voilà, mais, c'est ça. Après, pour. Voilà. Frappé gagné, je crois. C'est frappé gagné. Frappé gagné. Mais Fabi Georges tire frappé gagné. Bah, c'est carreau gagné, voilà. Carreau gagné, très belle fin de main, partie expédiée. Ah, c'est très rapidement. Voilà. Ah, on a vécu une très belle partie. Très belle partie. Ah, c'était très vite, 35 minutes, mais bon, là au-dessus, on a été bien au-dessus, très forte. Et voilà. Eh bien, Jean, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis abonnez-vous à la page. Il y aura un tirage au sort tout au long du week-end pour les cadeaux. Merci, Jean. Je vous en prie.